Salam alaikum Mazoul, bonsoir. On peut dire des choses et d'autres, mais personne, je crois, ne peut dénier aux élections législatives de décembre 1991 d'avoir été les seules élections libres du pays de l'indépendance à aujourd'hui. Il est vrai que la participation n'a pas été aussi massive qu'elle aurait dû l'être. Il est vrai qu'elles ont été précédées par un découpage administratif particulièrement élaboré par M. Hamroch, qui devait permettre la victoire du FLN. Il est vrai que nombre des participants ont été motivés plus par la volonté de sanctionner le régime que de choisir un parti pour son seul programme. Il est vrai que les consultations se sont déroulées dans une ambiance particulièrement toxique, parfois haineuse. Il est vrai que ce n'était qu'un premier tour et que les jeux n'étaient pas totalement faits. Il est vrai que le deuxième tour, s'il avait pu se dérouler, aurait pu donner des résultats ou d'autres. Mais force est de reconnaître que c'est la seule fois où l'électeur algérien a pu choisir ses représentants sans que l'habituel régime ne fraude ni ne bourre. Force aussi de reconnaître que les deux autres formations vaincues par le FIS, le FLN et le FFS, ont joué un rôle honorable. Le FFS a reconnu les résultats mais a refusé de s'avouer vaincu, affirmant avec force que rien n'était vraiment joué, que le deuxième tour pouvait changer le cours des événements. Il est vrai aussi que le FIS, effrayé par sa propre victoire, était allé jusqu'à accepter de transiger lors de tractations avec les différentes forces politiques, de revoir ses ambitions à la baisse, même si les électeurs étaient disposés à lui renouveler leur confiance pour les postes en ballottage durant le deuxième tour. Il est vrai aussi que pour la première fois depuis l'indépendance, le FLN a eu une ligne de conduite qui l'honore, un temps soit peu. Puis, que même perdant, il a refusé d'appeler l'armée à la rescousse, puisque même après l'interruption du processus électoral et sous la conduite de Abdelhamid Mehri, Rabbi Yarhamou, il a tout fait pour essayer d'aller vers l'apaisement et le rétablissement d'un processus réellement démocratique, ce qui a entraîné malheureusement le fameux coup d'État dit scientifique contre la direction du FLN. Et il ne fait pas de doute que ces élections et leur annulation, par la force, la manipulation, la mise en avant de forces politiques artificielles et manipulées, ont constitué un tournant dans la vie politique algérienne et dans l'avènement d'une nouvelle conformation du régime, celui qui allait mener le pays à une tragédie atroce, au terrorisme pédagogique, au carnage des populations civiles, à une redistribution des cartes et surtout à la mue du régime de la médiocratie qu'il avait toujours été, à une mafiocratie qui allait mettre le pays sous coupe réglée, à l'éradication par la violence du courant islamiste et à l'émergence à sa place et pour donner le change d'un autre courant islamiste, hein, tant soit peu, domestiqué, et à la création, celui d'un autre, dit démocrate, qui n'avait de démocrate que le nom. Ce premier tour des élections législatives de 1991 a eu lieu il y a 26 ans, aujourd'hui. Le coup d'État qui en a interrompu le processus allait bouleverser la vie des Algériens de façon atroce. Il en est sorti ce que nous vivons aujourd'hui, un sinistre qui n'a pas fini de sévir et qui a mis fin à cette vision rêvée de la politique qui aurait pu donner naissance à une autre Algérie, un pays où se seraient affrontés de façon démocratique deux projets de société. Les putschistes en ont décidé autrement et aujourd'hui, avec le recul du temps, les Algériens sont convaincus que ceux qui ont dévoyé le cours de l'histoire sont tout ce qu'on veut, sauf des sauveurs de la République. Ne soyez pas étonnés aujourd'hui que les journaux que nous allons vous présenter datent de plusieurs années. C'est juste, comme à chaque fois,
que la presse algérienne dans son ensemble n'a pas estimé nécessaire de couvrir cette date anniversaire. Aujourd'hui. Universalis, 26 décembre 1991, Algérie. Victoire du fils au premier tour des élections législatives par Universalis. HuffPost, retour sur le coup d'État du 11 janvier 1992 par Aït Ben Ali Boubker. Libération, fils, FLN, FFS, l'équilibre algérien de demain par Pierre Guillard. Législative 1991, 26 ans déjà. Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir ici sur le plateau Saïd Khalil, ex-premier secrétaire du FFS, au téléphone Mesoud Ouziala, ex-élu du FIS, Faisal Mattaoui, journaliste, lui aussi par téléphone. Saïd Khalil, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Saïd Khalil, tout à l'heure, quand je vous ai reçu, j'ai eu comme un flash, je me suis rappelé un grand monsieur qui vous accompagnait souvent quand vous veniez ici, on se rencontrait, on a fait des émissions ensemble, même si vous ne vous êtes pas rencontrés autour du même plateau, notre ami Saïd Boukhari, disparu aujourd'hui il y a à peu près un mois. Oui, depuis sa maladie, je n'ai pas apparu sur les plateaux. Vous étiez de très grands amis. Hein, c'est un frère de combat. C'est un frère au sens le plus fort du terme. Donc nous partageons des convictions et pratiquement nous avons affronté tous les combats et nous avions les mêmes convictions, même si j'étais son aîné, oui. Mais le sort en a voulu, ainsi qu'il parte avant moi. C'est dur. Donc toute cette période-là, c'est l'accompagnement. On était à ses côtés. Je profite pour d'abord rendre hommage à tous ceux qui nous ont soutenus, particulièrement l'équipe de Dr Chaba à Tixit, ses collègues paramédicaux, administratifs, y compris les gardiens qui nous facilitaient les visites de jour et de nuit, le service du professeur Sedkaoui à Tizi Ouzou, l'hôpital Mahmoudi privé qui nous a aussi aidés, et puis même des responsables administratifs tels que la directrice de la culture, d'autres responsables qui, quand même, lorsque on est devant la mort, devant la tragédie, on arrive quand même à transcender des cloisonnements artificiels, parce qu'on n'est que des humains. Donc, il faut bien que la vie continue. Oui. Donc, c'est quasiment difficile à imaginer la vie sans mon ami, sans mon frère. Mais l'hommage qu'on doit rendre, c'est de continuer ce combat, c'est de continuer dans notre conviction et aussi être à côté de sa famille jusqu'au bout. Et justement, le 12 janvier, on lui rendra hommage à l'occasion du 40e jour, à l'occasion du Neyer, date symbolique, pour aller faire sa tombe avec tous ses amis, avec tous ses camarades de lutte et toute sa famille. Merci pour cet hommage. Nous aussi, nous qui l'apprécions beaucoup, qui avions beaucoup d'admiration pour lui et qui l'aimions tout simplement, c'était notre ami. Ouais. Nous saluons sa mémoire et sa famille par la même occasion. Rabbi Rahmou Salé. Merci pour cet hommage. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Merci. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, la vie continue. Donc, nous allons parler de ces élections de 1991. Qui ont été un tournant fatidique, pour le moins qu'on puisse dire, dans l'histoire de ce pays. Et donc, je rappelle trois repères importants. C'est que ces élections avaient été organisées conformément à la Constitution de 1989 et des grandes réformes d'après 88. Et cette Constitution de 1989 avait été adoptée par référendum, non pas par le Parlement, mais par référendum. Oui, février 89. Le deuxième repère, c'est que, au même moment, l'armée, l'ANP, qui faisait partie du congrès, du comité central du FLN, s'était retirée du comité central, arguant qu'elle se retirait pour être au-dessus des luttes partisanes
et veiller au respect de la dite Constitution. Tout à fait. Et le troisième repère, c'est que c'est cette même armée qui, contrairement à ses déclarations et à ses professions de foi, a interrompu le processus électoral qui avait été donc dicté et encadré par cette même Constitution. C'est des faits irréfutables. Oui. Oui. Je voulais juste corriger dans le préambule que tu as présenté. Hein, oui. En fait, le découpage, il y en a eu deux. Il y a eu celui de Hamarouche en juin. Et il y avait 530 sièges. Oui. On pouvait dire quelque part peut-être que bon, le FLN aurait été un peu avantagé, mais ça reste à démontrer. Il a été revu et corrigé par Sid Hamd Ghazali, qui a succédé à Hamrouche, et on revient à 430. 430. Oui. Et je me rappelle, dans une de ses déclarations, Sid Hamd Ghazali a dit que le FFS, parti régionaliste, ne dépassera pas 5%. Donc c'est juste pour l'histoire. Oui, quoi. Oui, oui, c'est oui, un enregistrement. Très important. Passé à la chaîne 3, il est là. Donc exact. Ce n'est pas le découpage de Hamrouche. On n'a pas voté. Les élections ne sont pas le découpage, on ne s'est pas basé sur le découpage de Hamrouche, mais sur celui de Sid Hamd Ghazali. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une véritable révolte du fils après le découpage de Hamrouche. Ça avait déclenché non, une crise. Non, la révolte du fils, en juin, elle demandait la présidentielle. C'est oui. L'histoire de Mousmar Djaha. Oui. Donc, les négociations souterraines étaient en cours, elles n'ont pas abouti. Et donc les tenants du pouvoir ou le pouvoir réel a décidé d'interrompre le processus Hamrouche pour oui. Mettre donc pour appeler Sid Hamd Ghazali oui. Qui à l'occasion d'une réunion avec les partis politiques et tout ça a finalement procédé à notre découpage et donc Et c'est lui qui avait prononcé la fameuse formule des élections libres et honnêtes. Voilà, tout à fait. Libres et honnêtes. Voilà. Mais sinon, ces élections, donc, se sont soldées, le résultat de ces élections. Le fils l'avait emporté à 47,4% à peu près, ou 47,8% à 3. Peu près. 3. 188 sièges sur 430. Le FFS a eu 25 sièges. Le VLN avait eu 15 sièges, et pour le deuxième tour, et c'est là, c'est un point très important à dire, c'est qu'il y avait 140 sièges en ballotage pour le deuxième tour en faveur du fils. Ça veut dire que, pourquoi Aït Ahmed avait-il dit il ne faut pas perdre espoir, il faut mobiliser parce que tout est jouable, le deuxième tour peut changer les choses, alors que le fils était presque à la majorité simple déjà dans le premier tour. Et que pour le deuxième tour, il était assuré d'avoir la majorité absolue, puisqu'il y avait 140 sièges en ballotage en sa faveur. Pourquoi Aït Ahmed avait-il dit qu'il y avait encore de l'espoir ? C'est un problème de cohérence politique. À partir du moment où vous acceptez d'aller à une élection, il faut assumer jusqu'au bout. Bon, maintenant, l'histoire elle s'est déroulée comme elle s'est déroulée. Il faut dire que Aït Ahmed et toute sa direction, oui. Dans laquelle on jouait un rôle, nous avons assumé ces résultats et nous avons décidé d'assumer jusqu'au bout. D'assumer jusqu'au bout, parce que c'est ça la cohérence démocratique, c'est ça la cohérence politique. Sinon, la population ne vous comprend plus. Non, mais lui ne parlait pas seulement sur le plan du principe. Et oui. Mais il disait aussi rien n'est perdu. Il attendait, c'est-à-dire au fait. Il attendit une dynamique, parce qu'il faut dire aussi que ces résultats ont affolé toute une population. Et vu qu'il y a quand même une moitié qui n'a pas voté, il attendait de faire redémarrer une dynamique en faveur des forces démocratiques, en faveur même de la démocratie, parce que c'était une chance unique pour instaurer la démocratie dans ce pays, etc. Mais après, bon, ça a dérapé. Il faut dire que maintenant, les responsabilités et tout ça, c'est à voir, c'est à approfondir. C'est une histoire récente.
Et que pensez-vous de la position de Diafalane? Nous avons essayé aujourd'hui de les inviter, nous avons appelé quelques-uns des anciens responsables de Diafalane, ils ont tous décliné malheureusement. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je pense qu'ils ont eu une attitude honorable, même si certains parmi eux ont appelé à l'interruption. Non, c'est indéniable. De toute manière, le FLN aussi, il était sur cette position-là. Dans le FLN de Mehri, du moins. De Mehri, oui. Du moins, la direction. Rabbi Rahman. Voilà, la direction politique. Oui. Le secrétaire général Mehri, oui. Tout ça, effectivement, Abdelhamid était en ligne, il était, disons, en phase avec Aït Hamed. Il faut rappeler quand même que c'est la même génération. C'est, ils ont été au FLN de Libération nationale, c'est important. Oui. Voilà, c'est. Et ils avaient aussi une vision, quoi. Ils espéraient changer les choses et tout ça, apporter. Même si le FLN traîne un passif avec lui d'une gestion de parti unique. Ceci dit, bon, qui gérait aussi, oui. C'est un autre débat. Bon, parce que souvent, on mettait le parti en avant. En façade, mais derrière, il y a... Voilà, et les décisions étaient, disons, souterraines. Où, le parti, on savait que le parti, souvent, était une façade. Mais il faut reconnaître que c'est la seule fois où le FLN, durant toute son existence post-indépendance, a joué un rôle honorable. Oui, le FLN a voulu cette fois-ci avoir son autonomie politique et aller de l'avant, quoi. C'est-à-dire peut-être aussi que dans certains centres de décision, on leur a dit d'y aller, cette fois c'est vrai, on va instaurer la démocratie. Je crois qu'il y avait un lourd malentendu. Je crois que finalement... Ce n'est pas toute la direction politique militaire du pays qui était en phase, qui était d'accord avec ce processus. On a laissé faire parce qu'on a été rapidement débordé par des manifestations qui ont failli déraper, qui ont failli emporter le pays. Et dans l'urgence, Chedli, une équipe de réformateurs, Hamourouch et tout ça, ont quand même monté un projet qui tenait la route. Tout ça, c'est pour la première fois où on a la réforme de l'économie et avec une franchise quand même extraordinaire. Lorsque Hidoussi vous dit, on vous promet des larmes, du sang, etc., parce que le pays est en faillite, et pour le redresser, il faut des sacrifices. La loi sur la presse, la loi sur la monnaie. C'est vrai que c'était une période absolument incroyable d'ouverture, de promesses. Tous les militants, nous, militants, nous sommes, si vous voulez, marqués par cette période. Nous avons vécu, et je vous parle des militants de base. Oui. Lorsqu'on évoque cette période-là, c'est un rêve, quoi. On rêvait à tel point, je crois que c'est une anecdote et tout ça, on appelait des pays arabes, Chedli, qu'est-ce qui se passe? Il y a un coup d'État ou quoi? Parce qu'une liberté de temps dans les années 80, ce n'était pas habituel chez les Arabes. C'est vrai. Ben, à propos de Chedli, justement, j'ai ramené une interview qu'il avait donnée à des universitaires, des journalistes japonais. Je vais en lire quelques passages, à chaque fois un petit passage pour donner un peu... un aperçu sur ce qu'il pensait, ce qu'il disait. Alors, voilà ce qu'il dit. « Normalement, les choses n'auraient pas dû aboutir à cette grave crise dont nous supportons encore les conséquences jusqu'à présent. J'étais pour le cadre démocratique et puisque le peuple avait choisi la partie islamiste, nous devions leur remettre les instruments de gouvernement et les laisser diriger l'Algérie. Mais les membres du FLN ont pris peur pour eux-mêmes et m'ont demandé d'annuler les élections et de les refaire. » Ce que j'ai refusé par respect pour la Constitution et en conformité avec la promesse que je me suis faite lorsque j'ai fait le serment sur le Coran de respecter la volonté du peuple algérien. C'est pourquoi je n'ai pas demandé au peuple algérien de revoir son choix concernant les islamistes. Ouziala Mesoud, docteur, monsieur le professeur, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Alaikum salam. Alhamdulillah, alam bik. Alors, 26 ans après, vous étiez un élu fils, et 26 ans après, que nous commémorons aujourd'hui, quel est votre état d'esprit quand vous y pensez? Bonjour à
toi, à tes invités et aux auditeurs. Merci. Delmarin Rébillat. Merci. C'est premièrement de la peine d'avoir vécu ce qu'on a vécu, c'est-à-dire les prémices d'une démocratie qu'on allait vraiment toucher, tâter et débuter, et que des gens mal intentionnés ont complètement saccagé. Le cœur, il pleure, les yeux donc ça sont teintés de sang, parce que nous avons perdu tout ce qu'on avait entrepris. Ce n'est pas nous qui avons perdu, c'est le peuple qui a perdu. Parce que cette période qui était, comme vous l'avez si bien dit, était propice à toutes les bonnes choses. Peut-être que ça n'aurait pas marché, peut-être que ça n'aurait pas réussi, etc. Mais au moins, on aurait dû continuer, et je suis sûr que 20 ans ou 25 ans après, l'Algérie aurait une autre image par rapport à nos pays voisins, par rapport à l'Afrique et par rapport à tous les pays arabes. Que pensez-vous du procès d'intention qui vous a été fait par ceux qui ont appelé à l'interruption du procès électoral, qui disent que vous vouliez instaurer la loi chariatique, que vous vouliez imposer aux femmes de se voiler, que vous vouliez contrôler la presse, les mœurs, fermer les établissements, certains établissements. Et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Eh bien, c'est tout simple. Hein. Oui. Lorsque les gens qui ont fait le coup d'État, les janviéristes qui ont fait le coup d'État, il fallait bien qu'ils expliquent ou qu'ils essayent donc d'embobiner le peuple pour les raisons. Parce que toutes ces raisons, elles sont complètement inventées, complètement fausses. Alors lorsqu'ils demandent à un parti qui se réclame de l'islam de vouloir imposer quelque chose, ils n'ont rien compris à la charia islamia. Lorsqu'on nous dit « vous vouliez appliquer la charia islamia », mais bien sûr qu'on voulait l'appliquer. Et c'est pour ça qu'on était candidat de l'islam. Mais ce que tout le monde, enfin ce qu'ils ont voulu cacher aux gens, c'est que dans tous les pays qui se respectent et qui ont fait ces exemples avant nous, toutes ces modifications, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient au niveau des mœurs ou qu'elles soient au niveau de la vie de tous les jours, tout est toujours venu d'une manière progressive avec l'approbation de tout le monde. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler dans aucun livre qui parle de l'application de la charia islamia d'imposer quoi que ce soit. Sinon, c'est de la dictature. Alors, les résultats de ces élections vous ont donné presque 48%, donc 188 sièges. Le FFS 25, le FLN 15, il y avait 140 sièges en ballotage favorable au FIS, donc vous étiez quasiment assuré d'avoir la majorité écrasante, si ce n'est simple. On dit, je vous demande de confirmer ou d'infirmer, qu'à l'époque, certains sages s'étaient rapprochés des dirigeants du FIS qui étaient en liberté, qui n'étaient pas en prison, notamment Hachani, Rabbi Rahmou, qui lui avait dit de revoir à la baisse ses ambitions pour ne pas faire peur, d'accepter de ne pas avoir trop de sièges et éventuellement de discuter même la composition du gouvernement pour ne pas être trop présent. Est-ce que vous confirmez, M. Saoud Ziala ? Alors, moi, il y a deux choses différentes. Oui. Il y a d'abord le nombre de sièges qui est attribué par les votants, par le peuple. Ça, on ne peut pas dire au peuple, ne votez pas pour nous, parce que nous-mêmes, on s'était présentés aux élections. Ça, c'est un. Donc ça, c'est celui qui dit le contraire, il raconte n'importe quoi. Par contre, pour ce qui est de la formation d'un gouvernement, pour qu'il soit équilibré, intégré les autres factions qui existaient et qui étaient élues aussi,
Ça, c'est parfaitement vrai. Et vous étiez prêt à prendre le gouvernement parce que c'est ce que dit Shadley dans son interview au journaliste japonais. Hein. Il dit « Nous étions prêts à leur remettre le gouvernement hein, pour qu'il dirige le pays. » Mais que le chef de l'État restait lui-même, c'est-à-dire l'arbitre suprême, la première institution du pays. Absolument, c'est tout à fait exact. Je voudrais d'abord corriger quelque chose que vous avez mis dans l'intermède tout à l'heure à l'entrée de votre début. Oui. C'est que une des principales raisons des manifestations du fils, c'était pas du tout le départ du président. C'est absolument faux. C'est le découpage malhonnête qui a été fait par l'équipe de Hamrouch et que j'ai qui dit, favorisait hein. complètement le FLN. Monsieur Deziala, c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que j'ai dit. Tout à fait. Oui, oui. Tout à fait, absolument. Et, oui. ce n'est que par la suite qu'est venu, justement parce qu'il y a eu cette résistance, que l'idée de faire des élections présidentielles anticipées est apparue. D'accord. Restez avec nous, M. Saoud Ouziala. Faisal Mattaoui n'est pas joignable. Fort heureusement, nous avons avec nous Abdou Sammar, journaliste, directeur de Algérie Part. Abdou Sammar, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamal. C'est un plaisir de te retrouver. Merci, moi aussi. Alors, Abdou, vous qui êtes jeune, hein, qui devez certainement avoir une toute autre... Quel âge vous aviez à ce moment-là? Oh, je suis né en 84. Je suis né le 4-4-84. 87, ça veut dire que vous avez une douzaine d'années. Non, même pas. Voilà, 5 ans. Même 4... pas. Moi, je m'en fiche. Voilà, j'étais enfant, mais je, comme tout un journaliste qui se respecte, je me suis beaucoup documenté, j'ai parlé avec mes parents, avec mes aînés. Oui. Et c'est un épisode marquant pour l'histoire contemporaine. Mais quelle est votre vision de la situation, vous, jeune, qui n'avez pas vécu ces terribles événements en tant qu'adulte? Je ne les ai pas vécues, Jamel, mais on en a subi les conséquences. Parce que le déclenchement des violences civiles a commencé juste après l'interruption du processus électoral. Il est clair que pour moi, jamais de la vie, je n'avaliserai ou je ne légaliserai une interruption du processus électoral. Jamais je ne demanderai à qu'une institution militaire ou sécuritaire intervienne pour modifier les résultats d'un scrutin. En aucun cas, cela ne peut arriver. En aucun cas. Mais d'un autre côté, J'ai un regard très, très critique sur la mouvance islamiste algérienne qui n'a pas du tout su comment gérer les événements et qui est partie de, pour moi, en tout cas, quand on fait un travail d'investigation, elle est partie dans un bras de fer avec une institution militaire avec laquelle elle aurait pu négocier autrement et ça a propulsé le pays dans un cycle de violence complètement infernale dont on paye encore aujourd'hui les conséquences. Si aujourd'hui l'Algérie ne se relève pas de son sous-développement et politique et économique, c'est parce que les séquelles de cette période-là ne sont pas encore guéries. Abdou Sammar, à l'époque, ceux qui avaient interrompu le processus électoral avaient lancé une sorte de leitmotiv qui avait été repris par l'ensemble de la presse qui leur était inféodée pour les qualifier de sauveurs de la République. À l'époque, on ne pouvait pas savoir s'ils étaient sauveurs ou non. Un peu tout le monde, quoi, je veux dire. Aujourd'hui, avec le recul que nous donne le temps et tout ce qu'on sait, vous, en tant que journaliste d'investigation, qui connaissez un peu toutes les turpitudes de ce régime, est-ce que vous pouvez admettre que ces gens, dont la plupart sont aujourd'hui milliardaires, certains en dollars, leur clientèle, leur parentèle, est-ce que vous pouvez considérer qu'ils ont été des sauveurs de la République ? Ces gens-là Jamel, il faut vraiment être malhonnête intellectuellement et immoral pour vraiment affirmer que ces gens-là ont voulu sauver la République. Ces gens-là, ils ont sauvé leur peau, leur pouvoir, leur prérogative et leur privilège. Ils n'ont pas sauvé la République, mon cher ami. Ce serait une insulte à faire aux victimes et à la mémoire des victimes terroristes de leur dire qu'ils ont sauvé la République. Écoutez, Jamel, moi je suis un enfant de la destinée noire, je n'ai même pas étudié à l'école normalement, j'ai été séparé de mes parents, j'ai perdu beaucoup de mes amis qui sont morts très jeunes.
dans des massacres collectifs sur la Mitidja. Je suis originaire de la plaine de la Mitidja. J'ai vécu cette décennie noire au cœur, sur le front. Donc, je n'ai absolument rien vu qui a été sauvé. Tout ce qui a été fait, on a précipité un pays dans l'abysse de l'enfer. Il n'y a rien qui n'a été sauvé. On va absolument arrêter de d'écrire l'histoire de cette manière. On sait que les vainqueurs écrivent l'histoire comme ils veulent, mais de là à ériger le mensonge en une vérité, ça reste quand même immoral. Ceci dit, il est aussi malhonnête de responsabiliser uniquement l'institution militaire. La mouvance islamiste a commis des erreurs stratégiques. Elle a été dans un affrontement dont on n'avait pas les moyens et elle ne s'est pas souciée des conséquences qu'elle aurait pu avoir. On sait tous nous, que les grands changements démocratiques se sont opérés sans violence. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Saïd Khalil, je continue à citer Chadli. Il parle, hein. Naturellement, il était nécessaire de régler les problèmes nés après les élections dans le cadre du Parlement. En toute franchise, je n'accuse pas l'ensemble du FLN, car certains ont accepté les résultats des élections et ont préféré que le fils désigne son gouvernement et ainsi transférer les conflits politiques dans l'enceinte du Parlement par l'exposé des différents points de vue. Ceci étant dit, quelle a été réellement la position du FFS à l'intérieur du FFS? Comment ont réagi le FFS réellement et comment ils ont agi et quelle était leur vision de la situation à l'époque? Il faut dire que la situation n'était pas facile. Même si on avait à nos côtés un leader comme Aït Hamed, père de la nation, il faut le dire, parce que certains s'évertuent à effacer l'histoire. Mais on était devant une complexité, une situation, il fallait beaucoup de sang-froid, beaucoup de lucidité. Donc, ce n'est pas Aït Hamed tout seul, c'est toute sa direction, tous comme on était. Il y avait consensus dans la ligne à adopter. Consensus. Général, il n'y avait pas de couac, il n'y avait pas d'opposition, de gens qui appelaient à l'interruption. Jamais. D'accord. Jamais. Et au sein de vos militants? Au sein de nos militants, la direction avait la confiance des militants. On a été élus démocratiquement au congrès de 91. Donc, c'était un parti démocratique qui avait la légitimité et on était fort de cette légitimité. Et j'ai dit aussi à Aït Hamed de peser de tout son poids. Et c'est pas tout seul, c'est après concertation, et je dirais que c'est la direction qui a pesé beaucoup plus pour adopter cette position-là. Ceci dit, on n'était ni naïf par rapport au fils aussi. Il faut dire que après coup, maintenant, on arrange les discours, etc. Il faut dire que c'est pas des enfants de cœur, parce que mais en politique. Il fallait affronter. Vous disiez ni régime islamiste. Oui, oui. Comment vous disiez déjà? Ni république intégriste, ni État policier, ni république intégriste. Oui. Voilà. Mais vous aviez accepté le résultat des urnes. Oui. D'accord. Bon, il faut rappeler deux choses. C'est un régime présidentialiste. C'est-à-dire que Chadli avait toutes les prérogatives. Il pouvait éventuellement dissoudre. Tout à fait. Le Parlement. Vous pouvez dissoudre le Parlement. Après son installation, s'il y a un dérapage, s'il y a ceci, l'armée était là, comme arbitre. Il faut dire, parce que le pays, il faut se dire les choses. En dehors de son armée, comme institution, c'est léger. Tu vois. Et désolé pour le fils qui venait d'être créé. En termes d'expérience institutionnelle, en termes de pratique politique, c'est approximatif aussi. C'est populiste, tu vois. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir et tout ça. Et puis, il faut dire aussi, on est dans le monde musulman, il y a un grand problème. C'est-à-dire, si le christianisme, la religion du pape a fini par se dissoudre dans la démocratie occidentale, c'est une expérience historique bien particulière dans le monde musulman. On n'a pas eu ce parcours historique. Le parcours qui aurait pu nous mener absolument progressivement à absolument autre chose. Absolument. On était, c'est les Ottomans jusqu'au 19e siècle, c'est le colonialisme. Il faut se replacer dans le contexte historique. Est-ce qu'on peut dire que le processus a été avorté? Pardon?
Est-ce qu'on peut dire que le processus, ce parcours qui aurait pu aller vers... Non, ceci dit, parce que tout est possible. Oui. Voyez maintenant l'expérience tunisienne. Je vous dis, à l'époque, Ghannouchi était venu chez nous, au siège du FFS. Oui. Il a discuté avec nous. Moi, je vais vous dire ce qu'il nous a dit. Il a dit, moi, je me serais contenté d'un siège. En disant que le fils pousse trop en avant et tout ça, il pousse trop là-là. Bon, c'est vous avez un pouvoir en face, si vous l'effarouchez, si vous l'effrayez. Ça, c'est des données. Lorsqu'on est responsable politique, il faut intégrer tout ça. Ceci dit, nous avons assumé effectivement notre position. Je vous interromps juste un petit moment, parce que ce que vous dites est très intéressant. Et il bat en brèche hein, les thèses des putschistes. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si on avait laissé faire, l'Algérie serait retournée au Moyen-Âge, ceci, cela. Alors que vous êtes en train de me dire, c'est un régime présidentialiste, c'est un État où le président a le droit de dissoudre le Parlement. Ça veut dire, et de dissoudre le gouvernement qu'il aurait nommé, de limoger le gouvernement qu'il aurait nommé. Ça veut dire que dans le pire des cas, on aurait dissous le Parlement, révoqué le gouvernement ici des islamistes et refait d'autres élections. Oui, tout à fait. Bon, ceci dit... C'est mieux que 200 000 morts. Ceci dit, bon, faut rappeler quand même, pour l'histoire, que la Constitution de février 1989... Et dans un de ces articles, il dit que lorsque nous disposons de 2/3 des sièges, nous pouvons changer la Constitution. Ah, ça, d'accord. Il ne faut pas le perdre de vue. Ça veut dire si le fils avait eu les 2/3 au deuxième tour, il aurait eu toute latitude pour changer la Constitution. Bon, c'est à eux de voir. D'accord. Maintenant, s'agissant de sauver la République, je crois qu'on a la réponse. Moi, j'ai dit, d'accord. On ne refait pas l'histoire, vous avez arrêté le processus. Pour sauver la démocratie, pour nous sauver de la tyrannie intégriste, etc. Bon, 26 ans, tu dis, 26 ans après, nous avons quoi? Nous avons quoi? 250 000 morts, quoi? 30 000 pays disparus, en faillite économiquement, 1 million de torturés. Voilà. Donc ça, c'est après coup que nous avons... Ceci dit, effectivement, parfois j'ai tendance à dire que dans cette histoire-là, il y a souvent, si vous voulez, même à l'intérieur des partis, il y a des espèces de fractions. Il y a des gens après qui se renient pour leurs intérêts, pour des privilèges, etc. Parce que même dans le fils, tout le monde n'est pas net. Bon, il y a des reniements, il y a du reste. Et. Lorsqu'on assume une position politique, lorsqu'on assume des convictions, je crois qu'on a le devoir d'être cohérent jusqu'au bout. Si le processus n'avait pas été interrompu, est-ce que le FFS d'un côté et le FIS de l'autre, quels que soient les résultats des législatives, n'auraient pas pu constituer deux blocs, deux projets de société, quand on voit qui a le plus mobilisé dans la rue? C'était le FIS et le FFS. Absolument. Le FIS qui déplaçait des centaines de milliers et le FFS qui aussi faisait sortir des centaines de milliers. Est-ce que ça n'aurait pas pu aboutir à cette, schéma ambivalent où il n'y avait que deux projets de société, le FFS contre le FIS? En termes de pratique politique, Jamel, vous savez, c'est la première fois. C'est la première fois et... Nous avons milité dans la clandestinité, nous étions au FFS de la clandestinité, donc notre pratique politique, on était rare, si vous voulez, les militants qui étaient arrivés dans les années 80, en dehors des mouvements islamistes parfois violents, etc. Et, tout, et là, on est sur le marché du politique, face à la population algérienne, avec des nouvelles pratiques, etc. Il faut dire que il y a eu du populisme, il y a eu aussi de la violence, il y a tout ça. Mais lorsque, il faut pas perdre de vue que le régime n'était pas par terre. La preuve, il a mené ensuite, il a repris la barre. Et on a vu où est-ce qu'elle a mené. Donc, c'est ça que, absolument... Et puis on a vu ensuite des expériences dans d'autres pays par la suite. Et c'est comme ça qu'on apprend. Mais je crois qu'il y avait des militants, des dirigeants au sein du FIS,
Particulièrement, j'ai souvenir d'une discussion avec Hachani et tout ça, où le niveau politique était appréciable, etc. Mais il faut dire la vérité aussi, c'est-à-dire les dérives populistes, les dérapages autoritaires n'étaient pas exclus. Justement, nous allons poser la question à M. Oudouziala. D'abord, M. Oudouziala, commentaire sur ce que vient de dire Saïd Khalil. Moi, je voudrais juste dire qu'il est très difficile de parler de ce qui s'est passé et surtout de ce qui ne s'est pas passé. Oui. La seule vérité, c'est que le peuple a voté, les gens se sont présentés à des élections et le peuple a choisi. Les militaires ont fait un coup d'État et ils ont fait basculer le pays dans la catastrophe qu'on est en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais M. Oudouziala, je me permets de vous interrompre. Alors, ces militaires, pour pouvoir perpétrer ce putsch, d'abord, on le sait, ils ont manipulé, agité des relais qui leur obéissent, qui sont sortis au créneau, qui ont alerté l'opinion internationale, qui ont fait un procès d'intention, on le sait, tout ça. Mais par ailleurs, est-ce que c'est trop dire, est-ce que c'est exagéré que de dire que parmi vos membres, parmi les membres de votre direction, il n'y en a pas eu qui ont donné le bâton pour les battre, qui ont fait peur à la population, qui ont permis à ces putschistes justement de mobiliser plus facilement, de pouvoir faire peur, d'agiter l'épouvantail de la terreur islamiste, comme ils disaient à l'époque. Ah, c'est plutôt le contraire. C'est tous les relais qu'on vous avait cités, notamment la presse. Bien sûr, on ne peut jamais généraliser, ce n'est pas tout le monde, mais la grosse majorité de la presse ont été le relais des choses qui étaient absolument fausses. Je vous rappellerai juste le discours de Mohamed Saïd, rahimahullah, où il a exprimé des idées que le peuple devait suer et devait ne pas penser à s'habiller avant de travailler, et où ça a été traduit. Voilà, on veut nous faire mettre le camis, on veut nous faire mettre le machin et le machin. Et ça, c'est les relais qui ont fait ça. On sait très bien que les militaires seuls ne peuvent pas faire ça, c'est impossible. Ils ont trouvé des gens qui ont fait circuler toutes ces idées. Et vous vous souvenez aussi que même dans la direction des FIS, il y a eu des gens qui ont été manipulés. Oui, mais accréditer, c'est elle. Monsieur Oudouziala, est-ce que... La vérité, excusez-moi s'il vous plaît. Je vous en prie. La vérité, c'est que on ne saura jamais ce qu'aurait pu être un gouvernement du FIS en Algérie. Parce que nous, on avait un projet qui était là, qui était prêt à être utilisé, à être essayé, devrais-je dire. Et, comme vous l'aviez si bien dit, le président avait toutes les prérogatives de dissoudre, de changer et de faire tout ceci. Maintenant, lorsque vous dites que le FIS qui avait la possibilité de changer la Constitution, mais bien sûr qu'on pouvait le faire. Parce que, je vous rappelle, si on avait été élu, et dans toutes les démocraties du monde, les gens qui ont la majorité, ils sont mandatés par le peuple pour diriger. Et cette disposition figure dans la Constitution de 89 qui avait été adoptée par référendum populaire. Tout à fait, exactement. Oui. C'est la volonté du peuple. Il ne faut jamais oublier que c'est la volonté du peuple qui a été piétinée. C'est plus que le FIS, c'est plus que le FFS, c'est plus que le FNM. C'est le peuple entier qui a été piétiné par la volonté de quelques-uns. Mais comment expliquez-vous, M. Oudouziala, que malgré la violence qui a été faite donc à cette volonté populaire, il n'y ait pas eu un raz-de-marée populaire réel de l'ensemble du peuple algérien? Comment se fait-il que ces généraux aient pu ainsi jouer sur du velours, si je peux dire? Sidi Djamel, lorsque les gens se ramassent dans des sacs en plastique, tous les matins, vous retrouvez des têtes qui sont perdues à droite et à gauche.
vous ne pouvez pas demander au peuple d'aller au casse-pipe de Rezdir. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Lorsque on est dans un pays démocratique et qui respecte le jeu, à ce moment-là, vous allez voir des millions de gens sortir dans la rue, comme on l'avait fait avant les élections. Mais à partir du moment où les gens affrontent la mitraillette, le char et tout ceci, on ne peut pas demander aux gens d'aller dans la rue réclamer leur bien. C'est difficile. C'est extrêmement difficile. Même pendant la révolution algérienne, il n'y a jamais eu tout le peuple qui était sorti contre le colonisateur. Restez avec nous, Mesoud Ouziala. J'aimerais citer un dernier passage. J'aimerais citer un dernier passage de l'interview qu'avait accordé Chedley Benjdid à ses journalistes japonais. Alors, il dit « D'autre part, qu'aurait dit l'opinion publique nationale et internationale si j'avais annulé les élections ? Ils auraient pensé que les réformes qu'a entreprises Chedley n'étaient que des manœuvres destinées à le maintenir au pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé de me retirer et j'ai démissionné par respect pour le choix du peuple. Celui qui dit qu'il s'agit d'un coup d'État est dans l'erreur car j'ai démissionné de ma propre volonté sans contrainte de qui que ce fût. » Abdou Sammar. Ah, on a perdu Abdou Sammar. Quel dommage, on essaye de le retrouver, hein, s'il vous plaît. Saïd Khalil, un commentaire d'abord ce que disait Saïd Ouziala. Bon, écoute, on ne peut pas éluder un débat parce que, effectivement, moi je crois que ce qui a faussé le débat, lorsque vous vous accaparez la religion, l'islam en l'occurrence, d'un pays musulman depuis des siècles. Donc, la partie... Ils ne l'ont pas caché, ils l'ont... Non, non, mais écoute... Ils l'ont avancé. Ça veut dire... Non, écoute, la Constitution dit, vous ne pouvez pas créer un parti sur la base religieuse ou sur la base ethnique. Ça aussi, il faut... C'est après, ça, je crois. Non. Après leur création. C'est la Constitution de février 1989. Pourtant, il y a eu le fils d'un côté, le RCD de l'autre. Quelque part. C'est-à-dire culture, bon, c'est... Ouais, ouais. Mais islamique, ça veut dire quoi? Les autres ne sont pas musulmans. Donc, du coup, moi, je vote pour les musulmans. Je vote pour ma religion. Et désolé, tant qu'on n'a pas, dans le monde musulman, tant qu'on n'a pas réglé ce problème de religion et politique, et ce n'est pas du XXe siècle, ces histoires-là, lorsque la religion, c'est depuis toujours, interrogeant l'histoire, oui. Lorsque on s'appuie sur la religion, parce que je peux vous tuer... au nom de la religion, parce que j'ai Dieu avec moi, j'ai la vérité absolue avec moi, ça et l'autre, il est complètement désarmé. Quoi. Mais en Europe, il y a bien des partis démocrates chrétiens. Elle s'est dissoute, je vous ai dit. Ouais. La démocratie chrétienne, ouais. C'est un processus historique des siècles et des siècles, ouais. Et qui a fini par se dissoudre dans la pratique démocratique, dans la sécularisation. C'est ça qui manque dans les pays musulmans. Ça, on ne peut pas, ouais. On peut pas le mais, dans ce cas, pourquoi avoir accepté à ce moment-là d'aller avec le fils à des élections? Écoutez, il aurait fallu tenir ce discours à ce moment-là. Dire non, on est contre... On était en même temps le débat, en même temps il fallait se mobiliser, sinon la chaise vide, c'est une opportunité, il fallait prendre des risques, on les a pris. Et puis voilà. Et là, c'est un long processus. Je vous dis, bon, personne ne peut dire effectivement comment le processus aurait évolué, comment l'expérience algérienne, elle aurait débouché sur quoi. Mais ceci dit, il faut rappeler que par rapport à cette démission de Chedley, on a créé un vide juridique parce que l'Assemblée FLN a été dissoute, le président a démissionné, le président du Conseil constitutionnel, il me semble aussi, Ben Habib à l'époque, a démissionné. Oui. Donc, il y a... Le HCE a été installé. Oui, c'est ouais. Ça qui a permis ouais. L'installation du HCE. Ouais. Parce qu'il y avait voilà. Un vrai vide institutionnel. Un vrai vide institutionnel. Et là, je dis, il faut retenir les leçons de l'histoire. Il me semble que le Nahda tunisien a tiré donc, des leçons par rapport à l'expérience algérienne. Bon, positivement. Au contraire de l'expérience égyptienne qui, à la limite, ils ont copié, c'est des régimes qui se ressemblent beaucoup. Parce que, comme on dit quelque part, la nation a une armée. Il se trouve que dans certains pays, c'est l'armée qui a une nation.
Voilà. Oui. Et ça, donc, l'histoire continuera son cours. Et que serait-il passé si le processus électoral n'avait pas été interrompu, à votre avis? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Tout dépend, parce que je crois qu'il ne faut pas gonfler la force du FIS ou même des autres partis, ou du FFS. Ou, tu vois. C'est un pays fragile qui a émergé à partir de 1962. Déjà, c'était un coup d'État. Les institutions étaient fragiles aussi. Pratiquement, ça reste un pays qui est assis sur son armée, sur ses services, etc. Et il ne faut pas négliger le rôle des services, redoutable par ailleurs. Et à partir de là, donc, s'ils ne sont pas consentants, ça aurait été difficile d'évoluer. Mais est-ce que ça, quelle que soit la situation, est-ce que ça aurait pu être pire que ce qui est arrivé? Non, la Jamel, je crois que qui m'engle entre le feu de miette et le feu. Là, Anna, moi personnellement, oui. je reprends votre propre démonstration. Vous dites, nous sommes dans un régime présidentiel, le président peut dissoudre le Parlement, peut limoger le gouvernement, refaire des élections. Ça veut dire, dans le pire des cas, il y aurait eu des échauffourées, mais pas 250 000 morts. Écoutez, de toute façon, pire que ça n'existe pas. Alors, vous voulez mon point de vue. Oui. Bon, peut-être que moi, j'aurais été une victime dans ce processus-là, parce que je n'en sais rien. Comment. Mais pire que ça, je crois qu'on ne peut pas faire pire. Voilà mon point de vue. Monsieur Oud Ouziala, nous arrivons bientôt à la fin. Donc, vous pouvez répondre à Saïd Khalil, si vous le souhaitez. Sinon, tfadal, je vous en prie. Barakallahu fik. Moi, je voudrais juste dire que... Lorsqu'on dit que le peuple algérien est musulman, lorsqu'on dit que l'islam, il ne faut pas qu'il soit accaparé, je répète que le FIS, il a été autorisé, légalisé légalement. Et les principes de fondement du FIS ont été déposés chez les autorités publiques qui les ont lus, qui les ont bien identifiés et qui ont autorisé. Le deuxième point, c'est que l'islam, nous, on le considère comme un tout. Il nous fait fonctionner la politique, il nous fait fonctionner le commerce, il nous fait fonctionner l'éducation, il nous fait fonctionner la vie. C'est ça la grosse différence avec le christianisme. Il est complètement illusoire de vouloir mettre au même niveau le christianisme et l'islam. Ce n'est pas du tout pareil. L'islam, c'est la vie dans tous les jours. Et bien sûr, lorsqu'on fait de la politique, on essaye de rendre à ce pays les valeurs islamiques. Et je vous rappelle la déclaration de novembre, comme l'ont fait nos aînés, c'est vivre avec les principes islamiques. C'est ça. C'est ça ce que je voudrais que M. Khalil comprenne. Je vous remercie. Monsieur Oud Ouziala, je voudrais juste vous préciser une chose. Je donne la parole à Saïd Khalil. On va dépasser un peu le temps imparti. Le christianisme, au Moyen-Âge, aussi était dans le commerce, dans le droit, dans la politique, dans les guerres, dans tout. Il était tout. Ça veut dire, après, il a été évacué par la société civile et il a été mis dehors. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'était pas le christianisme, c'était l'Église qui commandait. L'Église, oui. C'est tout à fait différent. C'est l'Église. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas pareil. D'accord. Nous, on n'obéit pas Un dernier mot. On ne peut faire quoi que ce soit. Oui, un dernier mot, Saïd Khalil, très brièvement. Merci pour la leçon. Docteur Ouziala, donc merci pour la leçon, mais tout ce que je peux dire, c'est lorsqu'on a la vérité de son côté, la vérité absolue, je crois que c'est ça le début du totalitarisme. Voilà. En tout cas, moi je suis certain que l'un et l'autre, vous êtes des militants convaincus, vous parlez avec votre cœur. Dommage qu'on ait perdu Abdou Sammar qui aurait pu nous donner une vision autrement... plus nouvelle, plus fraîche, parce que nous sommes un peu de la génération qui est en train de partir.
Voilà, merci à Saïd Khalil, merci à Mesoud Ouziala, merci à Abdou Sommar et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qawala khair, salama.